Parmi les activités de complément dans NetMaths, nous retrouvons les énigmes. Les énigmes peuvent être une façon de récompenser les élèves à la fin d'un cours. Donc, par exemple, vous avez une période de 60 minutes, vous faites 45 minutes de NetMaths, et puis vous pouvez laisser un 10-15 minutes d'énigmes aux élèves pour leur récompenser d'avoir bien travaillé. Les énigmes sont des séries de questions que vous pouvez voir. Par exemple, on a essayé de mettre les énigmes les plus faciles dans la série A. Donc, ici, on a les bas du tiroir. Donc, il faut résoudre la question qui nous est posée. Mais ce qui est intéressant dans les énigmes, c'est qu'on ne donne pas la réponse. Donc, on pourrait demander des pistes à notre enseignant ou à nos amis, mais notre masque ne donne pas la réponse.